Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un beau réveillon. Qui dit changement d'année dit aussi changement de météo en Vendée avec un ciel plus mitigé. La douceur de ces derniers jours laissera vite place à une offensive hivernale, mercredi surtout, avec un mercure chutant à 2 degrés environ. Mais avant, on regarde de plus près ce dimanche 2 janvier 2022 et la matinée s'annonce globalement nuageuse avec quand même quelques belles percées du soleil. Concernant les températures, elles sont comprises entre 10 et 13 degrés, le minimum étant à Montaigu-Vendée et à la Châtaigneraie et le maximum pour l'Île-Dieu. En seconde partie de journée maintenant, les rayons du soleil sont moins flagrants face à des nuages qui prennent petit à petit l'ascendant. Le mercure, lui, est toujours doux pour le moment. On compte 14 degrés à La Roche-sur-Yon, 15 à Fontenay-le-Comte et 12 à 13 en bord de mer et jusqu'aux îles. Passons maintenant aux prévisions de notre début de semaine. Lundi, la couverture nuageuse résiste et laisse place à quelques pluies et surtout au vent qui fait son grand retour en Vendée. Comptez des pointes jusqu'à 80 km/h. Niveau température, elle s'échelonne de 10 à 14 degrés. Mardi, les nuages encombrent toujours le ciel et des averses séviront à nouveau l'après-midi. Le vent d'ouest souffle toujours, allant jusqu'à 55 km/h. Le mercure varie de 9 à 12 degrés. Et puis mercredi, comme je vous le disais, nous attendons un changement plutôt radical mais restant ponctuel. Quelques pluies sont à prévoir, mais surtout une belle baisse significative des températures. Comptez 2 degrés minimum le matin et 7 au plus chaud. On revient à notre dimanche 2 janvier. Le soleil nous accompagnera de 8h50 à 17h29. Attention à l'état de la mer, elle s'annonce toujours agitée. Coefficient de marée de 91 et 94 au Sable d'Olonne. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un merveilleux dimanche et à très vite sur TV Vendée.